Merci à tous nos auditeurs de nous écouter sur Fort FM et tout de suite on accueille notre première, je dirais, notre première star du musical. Parce qu'on a accueilli des auteurs, on a accueilli des associations, mais notre première invitée qui excède dans la chanson, bah, c'est bien toi, Despi au mic, il va se présenter. Merci pour tout. Bah, moi c'est le Despi au mic, voilà, rappeur français du 57. J'ai vécu dans le 13, maintenant je suis de retour ici et je compte bien tout arracher. Super. Vincent, t'avais quelque chose à lui demander ? Alors, ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Bah, de la musique comme ça, ça fait quelques années maintenant. Mais voilà, professionnellement, ça fait peu de temps que j'ai commencé. D'accord. Combien de temps à peu près ? On va dire que ça doit faire un an ou deux. D'accord. Voilà. Un an ou deux, mais un potentiel lyrique comme lui, sa richesse de tes textes, ça m'a impressionné. C'est pour ça que vraiment j'ai voulu que tu viennes à notre antenne, parce que c'est assez impressionnant, surtout dans le rap de maintenant, que moi j'ai un petit peu, par exemple, je me suis un petit peu éloigné en fait du rap de maintenant, mais il y a des gens comme toi, de Spi au Mike, qui vraiment ont quelque chose. Oui, on a été vraiment étonnés par la richesse de ces textes. La qualité des textes, surtout, qui sont vraiment recherchés. Chose qu'on ne retrouve plus dans la musique de nos jours, pratiquement. Toi, tu es encore dans cette recherche de passer un message. Ouais, effectivement. Vraiment la recherche musicale et tout ça, et c'est vraiment pas mal. Nous, on a écouté quelques petits morceaux, quelques sons. Et est-ce que tu prépares un album ? Ouais, ben là, en ce moment même, je suis en train de préparer quelque chose. Après, voilà, je peux pas tout dévoiler parce que c'est un peu confidentiel, quoi. On va pas tout dire tout de suite, tu vois. On va laisser un peu de l'eau à la bouche aux gens. Bien sûr. Mais ça va arriver fort. Bien sûr, donc tout en laissant une part de mystère, Despi est en train de nous dire qu'il va nous lancer du lourd. On est très impatients de voir ça. C'est vrai, hein, pour les auditeurs là, qui se demandent qui est Despi au mic, ben, il nous a apporté un petit son et il va même nous faire l'honneur de nous faire un petit live ici dans notre studio. Ah oui. Notre premier rappeur à l'antenne de Fort FM, c'est Despi au mic. Despi au mic. On va faire ça bien. Despi au mic, il va nous faire un petit son ici à l'antenne sur Fort FM. Attention, ça va être du lourd. Une exclusivité Fort FM. On va faire ça bien, l'équipe. Un petit texte pour Fort FM, ma gueule. Des. T'as capté ou pas ? Hein ? Hey. Je ferme les yeux, je fais le vide. Je fais le vide dans ma tête, expliquez-moi en fait pourquoi le ciel est bleu, mais il pleure quand même. Pourquoi Dieu est grand, des enfants des sept. Pourquoi l'intérêt ronde, mais ne tombe pas dans ce domaine. On se demande quand la guerre s'arrêtera, quand les hommes s'arrêteront de tirer, de teaser. Toutes ces choses sont faites pour l'argent, le pouvoir et la gloire, pour le strass, les paillettes et les dollars. Et gros lard, dis-moi, t'es bien toi, dans ton petit costume, sirotant un petit cocktail, gros bras autour de toi. Mais regarde-moi un peu plus loin et tu verras ce petit gamin assis sur un trottoir, demandant un petit dollar pendant que toi, tu le dénigrais. Ce que tu ne savais pas, c'est qu'il venait de perdre sans mêler son papa pour en arriver là, sans toi et sans famille. Il vous envie à peine envie, rêverait croquer dans votre sandwich, mais il ne peut pas, non, il ne peut pas. Non, il ne peut pas, non, il ne peut pas. Et la France est en guerre, ou devrais-je dire l'humanité, égalité, fraternité. Je crois qu'on nous passe à côté, les djadjis veulent nous boycotter. Salissent l'islam dans sa pureté, lavage de cerveau forcé. Pour ces 250 francs, c'est ambiancé par la violence de Daesh, t'sais. Y'a qu'à voir ces attaques répétées, organisées, mais inachevées. Grâce à nos équipes déterminées, ce n'est pas terminé, je fais que commencer. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, le meilleur reste à venir. Mais l'avenir est flou, au cas où les bœufs nous font rêver. Pendant que ces fous se font péter, sans mettre à côté du C4 dans le tas, sans mettre à côté. Faut voir la vérité en face, on se fait malmener par des barbus extrémistes et sans pitié. Allez, y'en a marre. Laissez faire Poutine et ses soldats dans le noir. Total ambiance est macabre, à l'encou, loire, rempli de cadavres. Vous trouvez ça normal, vous zappez sa guerre, ça tout social. Vous à qui j'adresse ce message d'amour, même en temps de guerre, comme Kerry française et ma patrie dangereuse. Mes origines mortelles sont mes lyrics de pays pendu, corde au cou.
L'escabeau prêt à flancher, attention danger. On se fait agresser sans rendre de coups, donc je viens venger. Les victimes des attentats, ces années passées. Sur Paris, le poids du monde s'est penché. Mesdames et messieurs, la troisième guerre mondiale est lancée. Accrochez vos ceintures, pas d'explosifs, mais de sécurité, ça va secouer. Leur navire a chaviré, du mauvais côté, du mauvais bord, c'est un désaccord. Ça se photographie avec une calache et le Coran à la main. Ces gens-là se prennent pour des hommes sains, malsains seront ceux qui vivent bien. Y'a Algérien est fier de l'être, comme ces mots sont faits de lettres. Où la peine est son mal-être qui reflète le désespoir de la planète. Liberté, égalité, fraternité, je crois qu'on y passe à côté. Les djihadistes veulent nous boycotter, salissent l'islam dans sa pureté. Lavage de cerveau forcé, pour ces 250 Français ambiancés par la violence de Daesh, t'sais. On dirait de faire FM. Ouh, oh, c'était du lourd, pas hein. Mal. Trop bon, non, vraiment bien. Et j'espère que vraiment les auditeurs apprécieront ton album et apprécieront surtout le personnage, parce que dans la vie t'es vraiment quelqu'un de sympathique. Hein, pour le peu que je te connais déjà maintenant, on voit que t'es quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête, tu dis les choses comme tu les penses, et vraiment, bravo à toi, bravo. Merci, à toi. Et c'est incroyable, comme il s'est levé spontanément d'une telle simplicité, et puis il a envoyé son texte, quoi, vraiment, ça m'a touché, quoi, hein, et il a fait ça, moi j'ai eu l'impression d'écouter un CD, en fait, j'ai eu l'impression d'écouter un CD. Ça fait vraiment plaisir, écoutez, on essaye de faire ça bien, hein. Après, voilà, j'aimerais revenir sur ta... Sur ta petite déclaration de tout à l'heure, mes textes, on parle du vécu. Donc, on essaye de retranscrire un peu. L'actu, ouais. Voilà, de l'actu, ce qu'on a ressenti dans la vie, etc. Et comme tu disais, ouais, faire passer le message, c'est pas que dire aux petits, allez tout niquer, non, parce que c'est pas ça la vie. Allez travailler à l'école, les gars. Et voilà, plus tard, Inch'Allah, vous aurez ce que vous méritez. Voilà, le travail paye. Ouais, super. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à souvent pointer du doigt le rap, le hip-hop ou quelque chose. Après, je ressortirai une citation du groupe Sniper dans un clip qui disait « il y a rap et des raps ». Donc toi, tu rappes, mais tu dérapes pas, quoi. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Et est-ce que tu comptes te représenter sur scène, un de ces quatre? Parce que quand même, on aimerait voir ça, quoi. Ça va être la même réponse que tout à l'heure. Hein. Ouais, ça va être fait. On est en train de prévoir un peu tout ça. Mais voilà... Bientôt le 105 dB, on est en train de voir déjà avec eux pour une représentation, donc on aura prochainement une date à communiquer à nos auditeurs. Despi au mic, bientôt au 105 dB, ce sera l'occasion vraiment de venir le voir en live, et peut-être même à la fin d'échanger avec l'artiste, hein, pour vraiment se faire une idée sur qui est le personnage, et vraiment j'invite du monde à venir ce jour-là pour voir les stars, enfin ces qualités d'artistes qu'on a ici à Forbach et au 105 dB, on peut en voir souvent. Venez voir Despi au mic, vraiment ça vaut le détour. Avec plaisir.